Alors, la sophrologie est un ensemble de techniques de relaxation basées sur la respiration, la contraction musculaire et le relâchement mental. Donc, l'idée, ça va être de mettre les gens en état de détente pour pouvoir, dans cet état bien particulier, leur permettre de visualiser des images positives et donc de renforcer leurs capacités et leurs ressources. Alors, on pratique généralement la sophrologie pour tous les problèmes liés au stress, aux angoisses. Quand on va vouloir évidemment se préparer à un événement pour arriver le plus optimum possible, donc ça peut être au moment des examens, mais aussi une préparation à l'accouchement par exemple. Moi j'ai découvert la sophrologie à titre personnel lorsque j'étais adolescente pour la préparation à un examen, et puis j'y suis retournée évidemment plus tard parce que j'étais intéressée effectivement par toutes ces techniques qui permettent de développer le potentiel des gens.